Deuxième volet de notre petite série consacrée aux apax existentiels. Blaise Pascal, on le sait, a connu un célèbre apax existentiel lors de la nuit du mémorial. En effet, le 23 novembre 1654, souvenez-vous, entre 10h30 du soir et minuit et demi, Pascal connaît un état d'exaltation extrême et note sur un papier, de manière cursive et fébrile, ses sensations, ses émotions et les sentiments que lui inspirent ces minutes d'une telle densité. Le texte s'achève sur ces mots « Joie, 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 pleurs de joie !» Bref, Pascal connaît ce soir-là un authentique ébranlement physiologique dont il ressortira métamorphosé. Le texte qu'il écrit le soir de son apax existentiel, il le portera sur lui pendant 8 ans, cousu et recousu 1000 fois à la doublure de ses vêtements. Voici maintenant l'apax existentiel d'un philosophe moins connu, la Métrie, 1709-1751. Matérialiste radical, alors qu'il était médecin, en 1742, aux gardes françaises, près le duc de Gramont, il est atteint d'une fièvre chaude à Fribourg, lors du siège. Le mal le terrasse, au point qu'il manque d'en mourir. Il découvre à cette occasion que la pensée dépend entièrement des états physiologiques. L'âme, dira-t-il, n'est qu'une suite de l'organisation de la machine corporelle. La pax existentielle de Jean-Jacques Rousseau est particulièrement frappant. Aigri, frustré, mécontent de lui-même et des autres, incapable de trouver sa place selon ses propres expressions, Rousseau se trouve soudain illuminé par les 1000 pensées qui lui viennent à la lecture des quelques mots du sujet proposé par l'Académie de Dijon dans le Mercure de France. Si le progrès des sciences et des arts a contribué à corrompre ou à épurer les mœurs. Rousseau raconte lui-même l'effet de cette lecture. Si jamais quelque chose a ressemblé à une inspiration subite, c'est le mouvement qui se fit en moi à cette lecture. Tout à coup, je me sens l'esprit ébloui de 1000 lumières. Des foules d'idées vives s'y présentèrent à la fois, avec une force et une confusion qui me jeta dans un trouble inexprimable. Je sens ma tête prise par un étourdissement semblable à l'ivresse. Une violente palpitation m'oppresse, soulève ma poitrine. Ne pouvant plus respirer en marchant, je me laisse tomber sous un des arbres de l'avenue et j'y passe une demi-heure dans une telle agitation qu'en me relevant, j'aperçus tout le devant de ma veste mouillé de larmes, sans avoir senti que j'en répandais. Ainsi est résolue la tension entre son amour des hommes et ses excellentes raisons de haïr ses contemporains. Ainsi trouve-t-il aussi son originalité. En vérité, de ce jour date sa naissance à la philosophie. Dans un troisième et dernier volet, nous approcherons les apax existentiels de Nietzsche et d'un philosophe, là encore, fort peu connu, Jules Lequier.